bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 33, voilà, de Day Night. Et ça commence à faire une somme, hein. Ah oui, mais on arrête de compter après 30, hein. Bah oui, on l'avait dit en plus. On avait dit à 30, on arrête de compter et on se permet des petites folies. Voilà, donc bienvenue dans l'épisode 33, toujours accompagné du seul et de l'unique Dave. Fédéral 9, c'est tout, comment il va celui-ci, hein? Celui-ci va super bien, et vous, comment allez-vous? Bah ça va très bien, quoi de beau dans le tuyau, voilà, c'est ce qu'on aime dire. Est-ce que t'es comme Mario, t'es dans le tuyau, quoi de beau? D'ailleurs, retrouvez très souvent Fufu avec moi en live sur ma chaîne Twitch. En plus, on va relancer Minecraft, Minecraft. Ah oui, putain, on devait aller, souviens-toi, là où on avait fait la quête. On va lancer une aventure Minecraft de survie en difficile. On va faire notre petit village, quoi. Non mais mec, quoi? Tu vois le tank là? Ouais. Ben imagine qu'il était plus grand que le bâtiment pendant genre 2 secondes. Le temps que je fasse, il était grand comme ça. Genre ah ouais, il a la texture et s'est étendue à la bug chez moi. Oh non. Mais genre grand à ce point. Ah, genre la texture elle s'est étirée, ça faisait un gigantesque triangle vert. Oh, j'adore les triangles verts, tu sais, t'es au courant. Oui, c'est vrai, ça pourrait être pour ta confusion ce que je viens de dire. Ah oui, je me souviens, la tour. Oh là là. Bah, pourquoi ça pourrait porter à confusion? Illuminati, triangle vert, billet de 1 dollar. Oh là là, ouais, on est en 2022, ça existe plus. Maintenant, bah, c'est reptilien. Arrêtez vos conneries. Ah ouais, reptilien, ça devient à la mode? Non, j'en sais rien. Non, même soit ça existe plus personne. Non, Skull and Bones, pareil, les gens ils connaissent pas. Ça, c'est jeune de Money Van. Ah, mais ça, c'est les motards, ça, non? Non, les Skull and Bones, c'était... Pirates? Non, c'était George Bush. Tout le monde pensait que George Bush faisait partie de ça. C'est genre 5 dirigeants qui se réunissent autour d'une table avec un crâne et qui décident, bon, demain... Un peu les philosophes dans Metal Gear. Bon, demain, on fait une guerre où, histoire de rapporter un peu de pognon dans l'économie du monde. Ouais, voilà. Mais attends, parce que les Illuminati ont vraiment existé et existent sûrement encore. Oui. Comme les francs-maçons et tout. Mais les Skull and Bones ont vraiment existé? Ça a été une secte reconnue pendant un moment? Non mais c'est comme... C'est... Ah non, c'est le fantasme sur les riches, quoi. Les ultra-riches, même. Enfin, les grosses puissances, quoi. Ouais, une grosse fraternité, tu vois, genre... D'accord. Et après, c'est devenu... La table, Fufu, après, c'est devenu un jeu Ubisoft. Est-ce que c'est... Oui, c'est vrai. Qui n'est jamais sorti. Est-ce que... Est-ce qu'il y avait pas un lit ici, en fait? On peut pas... Sache que, par exemple, tu veux une petite astuce? Vas-y. On ne peut pas allumer sa lampe torche ici. Allez. Ah si, moi je peux, moi. Oui, parce que moi sinon ça te demande de TP. Allez. Ah. Non, t'es condamné dans le noir. Inhibiteur à 40 mètres, mon ami. Rien de tel qu'un peu d'électricité pour égayer un endroit. Mais ces putains d'ascenseurs sont toujours coincés. On dirait que le jus va pas là-bas. Le bâtiment est éteint depuis des années, hein. Va falloir vérifier les relais électriques. T'es un putain de génie, toi. Les gars sont déjà sur le coup dans la zone sombre. Ils essaient de trouver la salle de distribution dans la petite tour à côté. Quand mes hommes auront branché les ascenseurs, on monte et... Oh putain. Oh, le chargement qui te montre que ça va éteindre les lumières, tu sais. Ouais, c'est ça. Quelle tristesse. Le commandement dit que la sous-station est connectée et qu'elle fonctionne. Ça doit être lui. Léon, la salle principale est dans le noir, chez toi aussi? Affirmatif. On est à nouveau dans le Schwartz. Bordel, sors de là, maintenant. Ça parle allemand et tout. T'as pigé, Léon? On cherche encore. Laissez tomber et sortez, c'est maintenant. Pas discret les takiwalki quand il y a des zombies, en fait. Non. Non, mais à la limite, le takiwalki, tu sais, en plus, ils font ça. Léon, le takiwalki est relié à une oreillette. Oui, il faut discret. Voilà, et comme ça, tu te suis. Tu sais, tu peux... Ils sont répartis dans les couloirs. Là, ils ont parlé. Je prends le A. Léon, je crois que t'as entouré de zombies. Tu devrais descendre en bas, s'il te plaît. Je t'assure que tu peux pas me parler, là. Viens avant moi, sors-les de là, range le noir, on sort pour toi. Et fais gaffe à toi. Léon, t'es pas en train de mourir, là, à cause de moi, par hasard? Léon, tenez bon. Léon, t'es là. Réponds, Léon, je crois que t'es entouré. Hop, il court, hein. Il y va en hurlant, Léon. Ah oui, parce qu'on peut pas le suivre, bien entendu. Mais bien, il faut attendre la fin du script, mon cher funéral. Et non, on peut Fufu, pas prendre l'ascenseur. Est-ce qu'il... Regarde-moi avant qu'on prenne cet ascenseur. Oh. Est-ce qu'il serait pas bon que on fasse une pause de 1 semaine pour nous reposer un peu sur le jeu et revenir avec des idées plus fraîches? Bon, on a fait une pause de 2 semaines même, hein. Oui, c'est vrai. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Est-ce que t'as des idées un peu plus fraîches? Ah, moi, ça, franchement, les idées fraîches. C'est qui me rappelle, lui, à droite? On dirait Jill Valentine avec la tête de Captain Price. Par là, ah, donc on dirait Captain Price. Couloir B. Captain Valentine. Bonne chance. Avec un béret. Tu vas en avoir besoin, hein. Oh, c'est Jill, c'est qu'un petit béret de police. T'en auras plus besoin que moi, mon pote. Et là, il donne un 9 mm.
Il m'a donné ça, un 9 mm. Et en vrai, ça manque les armes. En vrai, de vrai, ça manque les petites armes quand même. Après, il y en a, mais... Parce que c'est quand même jouissif. Non, mais du 9 mm, gros. Il nous a donné un flingue. Mais non, bien sûr que non. Il nous a donné des boosters. D'immunité. Trois boosters. On parle pas de boosters Pokémon. Non, mais... What? What? Quoi? Non, faut aller à gauche, là. J'ai cru qu'il y a eu un ascenseur. C'est trop bizarre ce qui s'est passé. Non, mais ça manque des... Mais il n'y a pas d'armes dans le jeu, des 9 mm et tout, gros. Ils ont expliqué pourquoi, mais non. On peut récupérer un flingue. Ouais, mais il s'use. Je crois qu'il s'use. Oh, il y en a un. Non, il y a un easter egg, j'ai vu. Je me suis fait spoiler. Où, en fait, tu mais tires toi, avec bizarrement, tes... Hey, depuis le premier épisode, tu dis avoir vu beaucoup de choses, toi, sur YouTube et tout, hein. C'est que tu t'es fait spoiler dès le début. Mais toi, tu... Toi, non, arrête. Si c'est dans tes recommandations, c'est que t'as été voir une fois, non, déjà. Bah ça, c'est parce tu ne peux pas t'empêcher sur chaque jeu de toujours voir ce qui t'attend. Tu es insupportable. Je regardais des guides sur Elden Ring. Arrête. Et vu que je comédie. Regardais les commentaires sous tes vidéos pour voir les vilains commentaires des gens... Attends. C'est vrai que les gens sont vilains. Mais ils s'en rendent pas compte et ça, c'est beau. Non, bah attends, bah là on va passer tranquille, frérot. On va tous les. Non, mais les j'avais égorger. Vu une bouche d'aération et tout. Ouais, attends, il y a deux zombies qui s'empilent, les gars. Oh, c'est de la triche, hein. Non, il y a six zombies qui s'empilent là. Les caméras sont braquées sur eux. C'est quelle touche encore pour. Oublie pas qu'il faut t'arrêter, hein. Pour. Quoi oh bah, en fait, on passe juste en vrai, on va passer oui, à l'usage. Oui, oh, bah non, c'est hors de question. Attends, y'en a. Pas que ça à foutre, comment. Attends, il se réveille ou. S'il se réveille, tu dois juste plus du tout bouger. Il y en a qui seraient... Non mais il y en a qui sont déjà réveillés. Oui, mais il y a la jauge en bas qui signale. Hop là, sous la table. Non mais il y en a un devant là, tu le vois pas? Il tape un sale fixe. Il peut pas nous voir sous la table. Bah lui, on l'étouffe, hein. Non? Bah en fait ils sont deux. Ah non, bah on va à la table en face, ok? Putain, la première fois qu'on fait enfin une vraie session... Oh mais non, c'est un gros balèze. Bah non, mais une one shot. Il nous voit. Quoi? Oh. Il a pas pu nous voir. Oh, notre torche. Éteins la torche. J'ai dans la torche. Oh non, y'a des carapateurs, putain. Ok, c'est celui de la jaquette, hein. Ah oui, c'est celui de la jaquette, celui-là. Ouais, il est niveau 4, il va nous démonter. On est dans un RPG, mais pas trop. Comment j'y vais, on... J'y vais. Bah les couilles, frère. Oh non, mais pourquoi je suis Keblo à moitié? Ah mais c'est toi et moi, on se bloque, je crois. Non, je bloque pas. Bon. Regarde, je passe à travers. Ça me dit, appuyez sur bas pour allumer votre lampe torche. Comme par hasard, il change de pièce, hein. Ça faut le savoir. Bon, j'ai eu la lampe torche. Moi aussi. Tu l'as réveillé, je suis obligé de l'étouffer. Tu l'as réveillé, t'es passé trop près, t'as pas attendu. Merde, j'ai fait gaffe. C'est bon. Là, on peut aller sous l'armoire ici, là. Je ne vais pas rectifier tes erreurs éternellement. Heureusement que vous êtes là, vous êtes un professionnel. J'ai étouffé bon nombre de zombies. Bâtard. Éteins. Parce que lui, on sait jamais. On va le faire avec R3. Non. Ouais, t'as vu. What? Oh, t'es mort, hein. Il m'a arraché, hein. Je t'avais dit d'étouffer. Oh, bah, il m'a tué aussi. Mais on voit rien, comment on fait ça, tu m'as Mais non, mais mec, dans ces cas-là, si c'est pas la lampe torche, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Pour moi, c'est forcément la lampe torche, tu vois. Non, il y a peut-être des prédispositions prémonitoires. Mais ça n'aura aucun sens ce que tu racontes. Ben, tu viens de dire des mots au hasard, là. C'est exactement ce que j'essaie de vous expliquer, il y a aucun sens. Non, accroupis-toi. Je cherchais la touche. Quand je te dis « Ah !», tu éteins la lampe torche. Ok, vas-y. C'est quoi le cri de guerre ?« Ah !» Attends, il n'y a aucun zombie. Quoi? Bien. Ah non, il y a le gros balèze. Ils nous ont presque vus. Oui, je vois le gros balèze. Attends, débat, il arrive vers moi. Y a plus de zombies. Y a plus de zombies. Mais ils ont disparu. Tu penses que. Caché. Tu cassais comme un steak caché. Tu penses qu'à la base, il devait pas y avoir de zombies? Non, si. Ah bah si, il devait forcément y avoir des zombies. Moi, je pense juste que c'est un bug. Mais il y aura forcément quelqu'un dans les commentaires qui va trouver la meilleure des solutions pour répondre à cette question. Profitons-en alors. Recule. Attends, il arrive. Recule. Je suis caché, hein. Là, si t'as l'œil, tu ne bouges plus. Si t'as l'œil, tu ne bouges plus.
J'ai peur, Fufu, je crois que j'arrive pas à temps. Si, si, t'as le temps, regarde. Attends. Je ne bouge plus, ne bouge plus. Non, on y va, on y va, on y va, rien. Tu peux remettre la lampe. Ah ok. Comment on peut y aller, en face? Tu peux remettre. Bon, c'est un bug plutôt à notre avantage, mon cher général. Oui, moi, j'apprécie énormément. Peut-être qu'on est passé en mode facile parce qu'on était éclatés. Non, 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 il n'y a pas, de difficulté. Je suis dans le lobby. Bah non, je pense qu'à la base, il devait pas être ici, en fait. Non, 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 je pense vraiment qu'il fallait les esquiver. Ça paraissait largement faisable en les esquivant. Passe par la salle de maintenance pour rejoindre le sous-sol. Le tableau de distribution est en bas. Bon, je passe là. Oh non, on va falloir tous les tuer. Oui. Ah, bah non. Bah si. Rendez-vous dans la salle de distribution. Et maintenant, quand je fais R3, je les vois pas apparaître en rouge. Bah non, je les vois pas. Peut-être parce qu'on les voit déjà. Mais non, ça n'a jamais été comme ça. Attends, je vais voir là. Ah non, je les vois pas non plus comme ça. Ouais. Bah ça se trouve, ils existent pas. Attends, je vais vérifier. Mais si, mais si. Nickel. Ils existent. Ok. Puis jette une molotov. On y va, hein. Vas-y, hein. À l'ancienne, hein. Yes! Oh, les braquages de jambes! Ah, si, j'ai un flingue! Quoi? Quoi? Ah! Quoi? Comment ça, t'as un flingue? Ah, j'ai plus de flingue! Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes? Ah! J'avais crafté des chevrotines, j'avais un flingue et là, je l'ai tué. Ah, mais non, tu l'as pas utilisé? Bah, je savais pas ce que c'était, donc oui. Oh non, Fufu! Mais oui, en plus, tu me disais depuis le début, bah, j'ai une chevrotine, j'ai pas quoi en faire! Allez, on leur casse la gueule, hein. Attends. Allez, salut à tous, c'est Monsieur le Défi. Et aujourd'hui... Ah, je vais vous montrer comment utiliser le Space 12. Mais sans munitions. Ah, Fufu! Ah, bonsoir le préfet. Mais ils sont trop vénères, ils sont cramés et tout, là. Ouais, mais ils sautent sur nous, ils sont vifs. Oh, le doublé, le doublé! Le triplé! Ah, Fufu, bonsoir le préfet! Faut que je régène, j'ai plus de vie, je vais crever. Non, dis pas ça. Si tu crèves, je crève. Attends, regarde. Je vais crever, moi, par contre. Oh, bouge pas, j'ai fait un truc de fou. Bouge pas, voilà, non, bah, je me suis débarrassé de tout le monde. Regarde. Non, bah, si je compte sur toi, on est mort. Non, mais ils sont tous morts, ils sont ici. Zut. Yeah, bah oui. T'as loupé ton occasion. Ah, bon, j'aurais pu faire une entrée par terre. Hein. Ça rappelle l'intro que j'ai fait aux grappins qui ne verront jamais. Parce que l'enregistrement n'était pas lancé. Alors, je m'en souviens comme si c'était hier. Et elle était très drôle, sache-le. C'était la meilleure. Sache-le qu'on est dans l'épisode 33, on s'en souvient tous encore. Bah, ils l'ont jamais vu, donc eux non, mais c'était exceptionnel. Si je m'en souviens encore, c'est que c'est exceptionnel. J'ouvre un truc. Viens. Vas-y, ouvre un truc. Ah oh là, t'as l'air de galérer, c'est bon. Oh, une machette. Bah ouais, bah pour un coup, c'est pas fou, ça. Ah, on va pouvoir régénérer. Attends. Crave-toi. Des molotov. Je crois que je pouvais plus en crafter, hein. Ah bah, y'a un problème alors. Si tu veux plus en crafter, c'est que tu t'es un peu foutu de ma gueule. Pour en faire une. Eh ben, fais. Eh, quand tu sais ce qu'on dit. Hein. Mieux vaut un que deux. Zéro. Oui, voilà. Ok, on fouille tout ça. Alors, les gars, il faut savoir qu'on a fait un live incroyable. Hier. Donc là, on en vient. Et. Oh putain, regarde. L'arme. Des grenades. Des grenades. Ah non, il a mal. Et là, il est 3h du mat. Alors, c'est ce qui est écrit mais sur ma plaque. Mais en forme, toujours présent. Oh, Léon, où est le reste de l'équipe? Oh non. Ils l'ont tué. Saloperie de rapace. La mèche sur je la belle. Je t'en dirai pas plus, mon pote. Eh, hey, me parle pas comme ça. Bah, bizarrement, il a quand même la petite raie au milieu. Du genre optimiste, hein. Tu vois, ça sent une inspiration quand même. Chris, que de la coupure. Il s'est frayé un chemin par là. La coupure. Je crois que c'était lui. Remets le courant. C'est le seul moyen de faire fonctionner les ascenseurs. Les terminaux sont au sous-sol. Ils relient les deux tours. S'il te plaît, donne cette lettre à ma femme. Elle est sur le bateau.
bien, juste pour rigoler, on fait... Allez, tu lui... Non ? Bah, on le motive. Allez. Du calme, Léon. Tu la lui donneras toi-même. Bouge pas. Je vais chercher Chris. Ouais, Chris, Léon ? Ouais, c'est... Rov, je sais ce qui s'est passé avec l'électricité. Je m'en occupe. Je vais aller brancher les terminaux et rétablir le courant. Est-ce que t'as trouvé mes gars ? C'est bizarre. Seulement Léon et... Peut-être Chris. Les autres... Ils y sont restés, Rov. Désolé. Et Chris, un gros balèze. On saura. Écoute, ouais. Fais vraiment gaffe à toi. Brun ténébreux. On peut pas se permettre de perdre d'autres hommes. Mâchoire carrée. Ouais, moi ça me paraît déjà le Léon. C'est le seul PNJ qu'on voit avec une coupe comme ça. Attends, mets peut-être les grenades en raccourci, non ? Ouais, c'est ce que je suis en train de... À la place de le... Non mais gros, là pas perce, mais c'est nul. J'ai des grenades, hein. Bah les couilles, hein. Tu prends les 5, les 5 en dos, les 76 de dégâts. Ah, j'ai mis les 2, moi. J'ai mis les 5. C'est bizarre qu'on puisse pas passer là-dedans. Mais non, mais... C'est que ça y est, je vois enfin les trucs à travers les murs. Ok. Tu vois enfin quoi ? Avec l'instinct de survie, je vois les trucs par terre. Ah, ça y est, bah oui. Non, mais c'était... Ouais. Ça arrive, monsieur Funéral, ça arrive. Oui. Pour ça, je me permets de looter un petit peu. Oui, moi aussi. Moi aussi. Bon, là, je fouille les caisses, hein, pour être très franc avec toi. Ah non, mais attends, il y a encore une quête ici. Ah, mais non, faut juste ouvrir la porte derrière lui. Alors ? On y va, Léon ! Je vous rejoins, bougez pas. Un kit de soins militaire. Légendaire, hein. Légendaire. Hein. Légendaire doré ! Légendaire doré ! Ok, il faut se mettre accroupi. Encore ? Là, y a un autre kit de soins. Il faut se mettre accroupi, il se réveille, mais des gros coups dans le... Mais gros, tu m'as fait si peur. Comment ça, j'ai rien fait, frère ? Je sais pas, en fait, j'étais en train d'ouvrir. Je suis si laid que ça ! Non mais c'est pas ça, c'est que j'ai vu ta tête en gros plan au moment où je me suis levé pour ramasser le kit de sang, ça m'a fait peur de ouf. Mais attends, mais y'a personne, Loulou. Lulu. Non mais pourquoi on s'accroupit, mec ? Mais parce qu'il y a un zombie là ! Ouais, mais là y'a des trucs à fouiller et tout, frérot. Mais y'a un zombie là ! Oui, mais quel zombie ? Bah zombie. Un zombie, il est vénère, il est tout en armure de police et tout. Catégorie 8 ou un tranquille ? Ah, tu l'as vu là, le kit militaire ici ? Chris ? Attends. Ah, je suis cramé, hein. Ah bah c'est Chris. Mec, viens voir, cheveux courts, balèze. Je vais recadrer. Ouais, je le recadre encore. Voilà, alors Chris, mec, c'est clairement, je pense que c'est clairement une ref, un caméo. Un jeu de zombies. Brun ténébreux, il est mort. Attends, on peut pas le retourner son corps là. Non. Ton caméo là. Oh bah y'a plus de tête. En bas. Bon bah voilà, bon. Voilà, ça t'apprendra à enlever l'électricité, salaud. Et bah voilà. Attends. Pourquoi il y a une alarme qui s'est déclenchée ? C'est rarement bon signe. Oh, j'y suis. Non, regarde ce qu'il y a là. Oui, et regarde ce qu'il y a derrière. Viens voir, regarde là. Tu vois ces bouches d'aération totalement noires hein, où tu ne peux pas voir à l'intérieur ? Voilà, spawn. Voilà. Oh là là. Vas-y, occupe-les. Ouais. Oh, quoi ? J'ai un HP. Fufu, je suis mort. T'es où ? Non, mais ils sont très vifs, hein. Non, ça me fout. Quoi ? What ? Des dégâts, what the fuck ? Ah ouais, non, mais... J'essaye de me soigner, Fufu. Je fais l'autre placard. Ça va, c'est pas dur à faire ? Non, tu m'as carré. Ok. J'ai activé, derrière. Fais le dernier. Attends, y'a un zombie qui... Non, je le fais. Je le fais. Mais ça, tout seul, ça doit être terrible. Hein. Tu te... Oh non. Je peux venir ? Non. Il est trop fort. Il connaît mon seul point faible. Les coups de poing, les tartes, les tartiflettes. Allez, relève-toi. Soigne-toi. Oh putain, ça arrive encore ? C'est bon. Ok. J'ai vu, j'ai entendu bruit ? Oui, c'est plus bon. Ah ! Oh putain, sale fou, j'ai reculé, c'était toi. Putain, ça fait peur. Oh putain, là-bas. Ok.
Il faut que le joueur soit présent. Mais j'ai jeté une grenade. J'ai jeté une grenade. Vas-y, fonce. Il faut que le joueur soit présent. Côté. Vas-y, fonce. C'est bon. Je les ai tous démontés, frérot. Je les ai. Quoi? Tuyon. Non. Bah non. On peut. Ouais, la lumière leur seul point. Je les ai démontés, mon ref. Je les ai démontés. Sois fier. Je suis fier. Il y a du riz par terre. Sois fier. Je suis fier. Il y a un trophée inhabituel de zombies. Sois fier. Je suis fier. Il y a un autre trophée inhabituel de zombies. Sois fier. Je suis fier. Je prends des coups de jus. Sois fier. D'ailleurs, faut que je ramasse tous ces trophées. Encore un autre trophée inhabituel de zombies. Sois fier. Je suis fier. Encore un trophée inhabituel. Infecté rare. Sois fier. Oh putain, où ça? Attends. Là, sur moi. Ouais, c'est lui qui mettait des grosses patates là. Ouais, mais ils mettaient tous des grosses patates. En fait, c'était des infectés inhabituels, tu vois. C'est qu'ils ont une mutation mutagénique. Ils ont une mutation génétique à faire pâlir les plus mauvais joueurs. Oh non, vous savez ce que j'ai dans les mains? Ma bite. Pas loin, elle est pas aussi longue, mais... Qu'avez-vous donc? Je parle de ce que j'ai dans la main, pas de votre bite, bien entendu. Bien sûr. Mec, je peux faire des soins, mais pourquoi mes soins sont... Attends, toi aussi tu peux plus faire de soins normaux? Moi mes soins sont devenus bleus. Tes soins sont devenus bleus? Bah ouais, mes soins sont bleus. C'est parce que t'as upgrade. Ah, ça change de couleur aussi? Oh là, le câble il s'est coincé dans le fauteuil, regarde! Ah ouais. Oui. Mais qu'est-ce que tu prends là? Le câble s'est coincé dans le fauteuil, regarde! Oh non, mais que t'es con. Mais non, mais je perds des mètres! Mais, oh putain, je m'en occupe parce que... J'ai lâché le câble. Oui, oui, parce que si on fait confiance... Fufu. Fifa. Y'a des fufu partout là-bas. Faut que je mette tout par contre. Viens, mon ref. Bah justement, c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Ah, bon, ouais. Ça. Faites passer le cap par le sous-sol. Bah là. Non. Ah. Là. Oh putain. Là. Oh putain. Oh bah non, mais y'avait juste des sacs poubelles en bas. 16 mètres, fufu. C'est peut-être la mort du petit cheval mort. C'est bon, fufu. Ils ont pas été cons, ils ont prévu 3-4 mètres en plus. Et ça, c'est cool. Au cas où il y aurait une chaise qui coincerait. Par contre, on peut parler de la physique du câble, bordel de merde. Bah, c'est. Donc, normalement, là, tu passes, t'as plus de tête. Hein. Tranché. Non, mais regarde ici, là, le pli. Viens, on fait un. Comment ça s'appelle? Un bimbo, non? Un limbo. Limbo. Je suis Sanjale Kibin. On a 35 ans, les gars. Allez! J'ai ouvert la porte! Câble! Oh non! Non, dis-moi pas que c'est ce que je pense que tu penses que je pense. Je pense que tu penses, il faut aller underwater. Underwater! Oh, bah il est debout grâce à l'eau, c'est ça. C'est beau la physique de l'eau. Ça permet de flotter, mais que de la tête. Tu crois que je vais sûrement mourir d'un atroce souffrance? Non. Ça a l'air bien parti. Je crois qu'il faut que tu m'ouvres de l'autre côté, mec. Bombarde. Verrouillé à l'intérieur. Bah oui, faut que tu... Vite, fonce. Comment je fonce où? Bah, de l'autre côté. Oh putain de merde. Ok, j'y vais. Fufu, je peux pas te faire confiance. J'y vais, je fonce. Appelle-moi Amélie Mauresmo. Non, c'est Amélie Mauresmo. Non mais, reprends ta respiration, jeune fou. Moi? Bah oui. Je préfère mourir. Tu ouvres ou pas, là? J'ouvre, là. Oh putain, je dois refaire tout le tour. Reprends ta respiration, viens. Oui, bah là, et je vais... En plus, attends, tu sais quoi? Là, il y a une petite... C'est là, je suis au début. Je suis retourné prendre ma respiration au début. Ah oui, carrément. Je suis Sancho de Cuba. La rumba. Avec moi à la cage, je fais tchit-tchit-tchit-boum. Bah prends le câble. Il s'est emmêlé aussi, c'est un enfer, c'est chiant, ça m'énerve. Oui, j'ai vu, j'ai dit, ah putain, t'es emmêlé sur un poteau. Ouais, bon, bah attends, prends le câble. J'y vais. Prends le câble parce que je peux dire des choses horribles. Écoutez, mec, c'est des câbles très solides. Attends, regarde tout ce qu'il y a là. Attends, je vois pas. Outil, tout en bleu. Outiti et Grominet. Oh, Oumtiti. Ouais, aussi. Attends. Coupe du monde en plein décembre, on n'oublie pas. Ah, ça marche pas. Je me suis dit, est-ce que je peux prendre un inhalateur sous l'eau? Ça aurait pu être drôle. Là, j'ai ouvert une caisse.
vodka de l'ancien monde. Eh ben, ça va être une vodka du nouveau monde, vu qu'on va la boire. T'es où? Là. Bien, les ascenseurs fonctionnent. Parfait. Ah oui, j'ai pas vu. On a réussi. Hop, par contre, parler sous l'eau, ça marche, hein. Jamais. C'est moi qui... Je t'en paierai une. Oui, et bah, t'es sous l'eau aussi. Dans une patate. Appelle-moi on Anne. On va établir un camp temporaire. Mais j'ai compris. On doit vivre. Quand t'expliques une blague, c'est que c'est potentiellement dangereux. Non, mais ne jamais expliquer ta blague, Fufu. Non, mais sois fier de ta blague. Parce que quelqu'un qui va pas comprendre la blague, il va aller faire sa petite recherche. Là, les gens m'auraient, si tu n'avais rien dit, ils m'auraient entendu souffler du nez, j'aurais fait et ils auraient dit, ce que ça doit forcément être une blague drôle, et ils seraient allés voir si vraiment ils l'avaient pas. Je comprends ce que vous dites. Allez. L'ascenseur fonctionne. Hop. Voilà, on appuie sur le bouton du million, on s'en bat les couilles. On va à l'étage. Tu sais, y'a même pas une recherche de. Va au dernier étage et au moins ils tapent le numéro du dernier étage. Ils s'en battent les couilles. T'as les pieds dans le sol quand l'ascenseur il monte. Oui, toi aussi. Ah, moi aussi, j'ai les pieds dans le sol là. Le gigantesque point sur le bordel. Et pourtant, moi je me vois pas les pieds dans le sol. Oh, j'ai gagné XP. 3, plus 2. Non, je gagne plus, putain, fais chier. Ah, d'accord, putain. Ah, parce qu'il prenait ça. Oh là là, t'es intelligent toi, non? Pour du parcours. Et ouais, je grattais 2 XP. Toi, t'es pas plus con qu'un autre, toi. On a des gains d'XP, vous savez. Attends, fouille quand même. Il y a des florins. Bon, ça sert à rien, mais ça fait plaisir. On va pour acheter des chevrotines. Allez, on se barre. Salut, Dwayne. Où est Léon? Quoi? Désolé, Rov. Oh non. C'était... Et on a passé à l'aise. C'était perdu d'avance. Je savais que c'était une idée on à la pas passe à l'aise. Ça n'a aucun sens. J'ai quelque chose pour toi. Pour te remercier de ce que t'as fait pour mes gars. Je sais que t'as vraiment essayé. Un flingue? Qu'est-ce que c'est? RPG. Un détecteur de proximité. Le GRE a pris soin de tous les marqueurs sur la marchandise importante. Ça pourrait être utile. Une fois les antennes en état de marche, certain pour détecter des conteneurs et des trucs importants. Seul Dieu sait ce qui nous attend une fois qu'on sera monté sur le toit. Mais tu seras pas seul. T'auras mes hommes avec toi. Et le lieutenant Rove en personne. Bon bah prépare-toi une grande guerre. Grande guerre ninja. Non mais surtout qu'il sera là, ça veut dire est-ce qu'il va nous laisser poser... Je veux plus donner des ordres à distance et entendre Méga crever. En route alors. On attend Matt. Il va apporter l'émetteur et supervisera l'opération d'ici. Donc bon, t'as le temps d'aller faire une sieste ou d'aller chier. Oui. Mais en dehors du camp, hein, s'il te plaît. T'as le temps de faire une sieste ou d'aller chier. Et là le mec il pose une pêche sur la table gros sur son... Et là, oh, ça te va ici? Plan détecteur du creux. Plan de la tour VNC. Alors, vous pouvez utiliser le détecteur du gras pour découvrir des inhibiteurs cachés dans les caisses du gras. Et ailleurs, pour augmenter la taille de la zone. Oh non. Avec le détecteur du creux, activer les tours radio. Je reconnais, c'est pas du Ubisoft ça normalement? Afin de découvrir la position des inhibiteurs dans de nouvelles zones. Ah, maintenant, tu te souviens les inhibiteurs qui étaient un peu perdus à gauche à droite? Ouais. Bah maintenant, au moins, ça nous les affichera. Après avoir activé une tour radio, tous les inhibiteurs cachés de la zone. D'accord, donc c'est une quête Ubisoft, histoire de découvrir les... En plus du moulin, maintenant, il y a une tour radio. Eh ben, mon petit Fufu, on va s'arrêter là, on découvrira la suite un petit peu plus tard. Ah oui, putain, t'es souple. Attends, je te vois. Bon. Et ouais, et solide, hein? On mais savait faire des néons sûr, à l'époque, hein? Bien... Ah bah à l'époque, oui, et ça bougeait pas, hein, je peux te le dire. Hein. Allez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire! Ça fait extrêmement plaisir, on vous dit à la prochaine pour la suite de nos aventures! Bisous tout le monde! Bye!